Jean-Yves, une belle mobilisation aujourd'hui. Oui, effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui arrive et ça continue d'arriver. Donc alors on est toujours content de voir autant de monde se rassembler, mais c'est pour la bonne cause. Hein. Les gens viennent, c'est pas pour faire une manifestation, c'est parce qu'ils sont un peu en colère aujourd'hui. Hein. Alors on peut peut-être rappeler ces messages que vous voulez passer au gouvernement. Alors le message, il est simple. Hein. Pourquoi interdire des motos dans les centres-villes alors que la moto est une solution justement à décongestionner le trafic routier. Hein, il faut savoir qu'une moto prend 4 fois moins de place en stationnement, qu'un trajet dure 2 fois moins longtemps. On ne comprend pas. Pourquoi interdire des véhicules sous prétexte qu'ils sont un peu anciens? C'est une forme de discrimination sociale. Réunion à Nancy avec les Messins. Alors, pourquoi vous manifestez à Nancy ? On manifeste à Nancy parce que Nancy fait partie des agglomérations qui vont passer dans les plans de prévention sur l'air et donc qui vont interdire tous les véhicules antérieurs à 2000 pour cette année, pour juillet 2016. Mais ça va continuer après. C'est-à-dire que là, c'est juillet 2016, mais après, ça va être... par exemple, en 2020, tous les véhicules antérieurs à 2015, les motos, ne pourront plus rouler. Donc c'est pas possible d'accepter ça, c'est restreint. Je veux dire, tout le monde peut pas s'amuser à acheter des motos en permanence. Donc nous, on descend dans la rue et on leur montre qu'on va les faire plier. Combien vous avez mobilisé de motards aujourd'hui ? Là, il y a 1500 motos, et plus de 2000 motards. C'est un record. Et donc ça va être une belle manif.